sur politique ou religion dans le télémaque de Fénelon, puis M. l'abbé Alain Laurent, l'actualité de l'histoire des variations de Bossuet, et enfin M. Jean-Pierre Grandcourt, qui est professeur à l'Université de Tours, à propos d'Henri IV. M. Lanavère est maître de conférence à l'Université de Paris-Sorbonne, c'est-à-dire de Paris IV, et il va nous parler d'un ouvrage et d'un personnage que Roland Mounier, si j'ai bonne mémoire, détestait cordialement. Justement. Et ça nous donnera matière à réflexion sur Fénelon et sur le Télémaque. Je me souviens d'un certain numéro spécial de la revue du XVIIe siècle où Fénelon était assez maltraité par Roland Mounier. Alors nous allons voir si M. Lanavère a les mêmes sentiments que Roland Mounier, en l'occurrence sur l'archevêque de Cambrai. Comme vous l'aviez deviné, car je ne vous en ai pas soufflé mot, je vais organiser ces quelques remarques autour d'un article de Roland Mounier, célèbre, car d'abord il est d'une vivacité, d'une pugnacité très remarquable, d'une part, et puis d'autre part, cet article influença très longuement les études fénéloniennes en France, et aujourd'hui encore, que s'observe à ce sujet une sorte de renouveau peut-être. Aujourd'hui encore, il n'est point possible de faire l'économie d'une référence à ce célébrissime article de Roland Mounier. Je parle d'un renouveau des études fénéloniennes. En effet, nous attendons le second volume de la Pléiade qui contiendra Télémaque, que nous devrons à M. Jacques Lebrun. De façon admirable, est en train presque de s'achever l'édition critique de la correspondance de Fénelon, inaugurée par le regretté Jean Orcibal, poursuivi par M. Lebrun et par le Père Noix. Et puis, apparu il y a quelques mois, chez Nizet, une édition de Télémaque, superbe, que nous devons à Mme Marguerite Haillan, qui est professeure à Nanterre, édition que nous attendions, car jusqu'à présent, nous avions un Télémaque, certes très annoté, mais c'était toute la littérature latine et grecque qui figurait en bas, et point de référence scripturaire. Or, ce livre doit sans doute plus à l'Écriture sainte, encore qu'il s'y agisse du fils d'Ulysse, plus à l'Écriture sainte qu'au tragique grec, qu'à Homère, qu'à Virgile. Donc, le moment est, me semble-t-il, bienvenu pour tenter de vérifier si garde actualité, je le crois en bonne mesure, cet article si brillant de Roland Mounier. Ce matin, il était question du sens qu'il eut l'un des premiers, probablement, de ce qu'il est convenu de nommer d'un vilain mot la pluridisciplinarité. Cet article date de 51-52. À l'époque, Roland Mounier était encore professeur à Strasbourg, mais il animait, avec beaucoup de vivacité, la société d'études du XVIIe siècle, littéraire à l'origine. Et c'est à lui que cette société a dû, en son sein, une sorte d'afflux d'historiens, d'historiens de l'art, d'historiens de l'économie, d'où des numéros spéciaux très, très variés, et des conférences. Je ne me souviens pas de celle que donnait Roland Mounier rue d'Ulm à l'Institut pédagogique dans ces années 51-52, mais peu de temps après, nous le retrouvions avec d'autres figures illustres de nos études dix-septiémistes dans le presbytère passablement délabré de Saint-Germain-des-Prés. Que de souvenirs. Bon, et là, sa parole nous enchantait. Soit qu'il parlât, soit surtout qu'impromptu, il commenta une intervention, proposa des développements, des compléments. Cet article de Roland Mounier, paru donc en 51-52, numéro spécial Fénelon et le tricentenaire de sa naissance, cet article est intitulé « Les idées politiques de Fénelon ». L'article est sévère. Jugez-en. J'ai coché la fameuse lettre authentique adressée à Louis XIV, rédigée entre la mort de Louvois et la mort d'Arlet.
lettre de l'archevêque de Paris. Pamphlet haineux, dit M. Roland Mounier. C'est la conclusion. La pensée de Fénelon, incohérence interne, inadaptation au réel, qui empêchera le lecteur de suivre le prélat. Tous les mensonges, toutes les calomnies des ennemis de la France se retrouvent chez Fénelon. Toutes ses défiances sont contre son roi. Toute sa confiance va aux ennemis de la patrie. Fénelon semble avoir écrit avec les pamphlets de l'ennemi. Et la conclusion, la pensée politique chez Fénelon semble donc naître du choc éprouvé au contact du réel par une vive sensibilité qui a tout emporté, la politique de Fénelon et du romantisme. C'est une des notes auxquelles se reconnaît le vrai mystique et le bon sens. Il y aurait peut-être là une fiche à ajouter à un dossier sur le mysticisme de Fénelon. Ce grand écrivain fut un piètre politique. Piètre politique par irréalisme, donc piètre mystique. Là, je commente, n'est-ce pas bon. De belles questions subsistent, terminait-il ironiquement. De plus qualifiés chercheront les relations possibles entre la pensée politique de Fénelon et le quiétisme. D'autre part, il faudrait préciser l'influence réelle de Fénelon sur le gouvernement de Louis XIV, mais il est à craindre que les documents fassent défaut. Il y a là un monde d'allusions, peut-être perfides. Les documents font défaut car Fénelon pratiquait, non point la théorie, mais la pratique machiavélienne. Tout se fit dans l'ombre, à l'insu du roi, de sa police, de son entourage. Si rapport il y a entre cette pensée politique fausse, chimérique, romanesque ou romantique et le quiétisme, qu'est-ce qui a déteint la politique sur le quiétisme sur la politique, quel affreux imbroglio d'à peu près. Et cette influence de Fénelon sur le gouvernement de Louis XIV, elle fut, s'en félicite probablement Roland Mounier, nulle ou quasi nulle, Dieu merci. Fénelon ne succéda point à ce qu'avait été Richelieu auprès du duc de Bourgogne. Alors, ce n'est pas un réquisitoire, mais cet article d'une sévérité extrême, les littéraires, bien qu'il fût le fait d'un historien et grand, les littéraires durent évidemment en tenir compte. Je ne vois pas d'ouvrage sur Fénelon depuis ces années 50 qui, ici ou là, ne tente de ratifier, d'infirmer, plutôt de nuancer, le verdict, car c'est un verdict porté là par Roland Mounier. Alors, j'aimerais, à propos de cet article, qu'on ne peut pas ne pas lire, aujourd'hui encore, car sa vivacité même oblige à réagir, j'aimerais, si je l'ose, en tant que littéraire, non pas jeter ma pierre dans le jardin de Roland Mounier, loin de moi cette pensée, mais opposer quelques résistances, que j'espère pugnaces, à cette attaque là, exposée par Roland Mounier, contre la pensée politique de Fénelon. Voici les arguments que j'ai là contre, c'est-à-dire contre Roland Mounier. Il m'a semblé que dans toutes les sources qu'il invoquait, il opérait une sorte d'amalgame, et d'amalgame peu légitime, sur la faute, et excusez-moi messieurs les historiens, mais c'est souvent votre défaut, je ne dis pas votre péché. Un amalgame est là proposé entre des textes hétéroclites que la littérature nous apprend, nous autres littéraires, à discerner. Les idées politiques de Fénelon, Roland Mounier est persuadé qu'elles se trouvent partout dans son œuvre, dans sa correspondance, et surtout dans les lettres qu'il adresse à Beauvilliers, à Chevreuse, au duc de Bourgogne, c'est évident, dans cette mystérieuse lettre à Louis XIV,
Bien sûr, dans ces textes proprement théoriques, les tables de Chaune, je n'en disconviens pas, mais voici ce qu'écrit Roland Mounier. Dans les écrits théoriques de Fénelon sur la politique, nous classerons d'abord les aventures de Télémaque, dit-il tranquillement. Les éditeurs de Versailles ont beau, dans leur avertissement, s'efforcer de montrer que ce roman n'a aucune portée politique, la comparaison avec les autres textes, eux ouvertement politiques de Fénelon, prouve, affirme Roland Mounier, qu'il n'y a aucun écart entre ceci, le Télémaque, et cela, les textes politiques de l'évêque de l'abbé Fénelon, ou du futur archevêque de Cambrai. Je me permets de penser que cette assimilation ne va pas de soi, et même ne va pas du tout de soi, et que Télémaque, qui aujourd'hui seul me retient, je n'ai pas compétence pour examiner les textes proprement politiques de Fénelon, au reste, il se trouve manié bien dans une thèse d'histoire du droit, dont l'auteur est Madame Galouédec-Génuis, à laquelle nous avons tout le temps recours, nous autres fénéloniens, et puis tout récemment, le professeur François-Xavier Cuche, de Strasbourg, a donné aux éditions du Cerf un maître livre sur un groupe de penseurs sociaux, dit-il, mais de fait il s'agit de politique, qu'auraient été, d'après lui, et Fénelon, et l'abbé Fleury, et Jean de la Bruyère, le moraliste connu. Je vous renvoie à cet ouvrage. Mon propos aujourd'hui, les aventures de Télémaque de Fénelon. Ce livre peut-il être traité comme n'importe quel autre texte politique? Je ne le crois pas, et tout au moins je conteste la chose. Ce livre n'est pas un livre comme les autres. C'est un livre unique, d'une nature très singulière. Les preuves là abondent qu'il faut aller chercher du côté des historiens de la littérature, pas du côté des historiens tout court. Je distingue. Bon, ce livre, au plan matériel de son aspect, est une sorte de monstre. Qu'est-ce ? Dès sa parution, à la fin du XVIIe siècle, le débat s'engage. Débat faussé, car chacun a ses arrière-pensées. Est-ce un roman ? Oui, se félicitent les cœurs romanesques. Oui, s'indignent tous ceux qui pensent qu'il n'appartient pas à un prêtre, et à plus forte raison au précepteur d'un prince de France, d'écrire des romans. C'est le cas de Bossuet ou de l'abbé de Dieu. Non, disent les partisans des littératures de l'Antiquité. Ce n'est pas un roman, c'est la suite des aventures d'Ulysse. Nous sommes donc du côté de l'épopée. Certes, c'est une épopée, disent les modernes, puisqu'elle est en prose, et dans la plus belle prose qui soit, celle que l'on inventa sous sa majesté très chrétienne, Louis XIV. Ce n'est pas une épopée, disent les anciens, puisqu'elle est en prose et non pas en vers, comme le doivent être les épopées. Bref, le livre, aujourd'hui encore, n'est-ce pas, nous savons mal où le classer, car sa nature littéraire est monstrueuse. Corneille, à propos de l'illusion comique, parlait de cet étrange monstre. Fénelon ne dit rien de tel pour son Télémaque, mais les réactions des contemporains, et aujourd'hui encore des historiens de la littérature sensibles au genre, vont exactement en ce sens. Autre caractère unique de ce livre, il fut lu, et de tous, et traduit dans quantité de langues, et très vite devint une sorte de classique. La prose y est telle qu'elle se prête à d'innombrables exercices scolaires, et moi qui vous parle, j'ai, petit garçon, mis en latin, puis en grec, des bouts du Télémaque, vous aussi, peut-être. Ce livre, donc, si manié par tant de lecteurs, si commenté, tant utilisé par tous, ce livre n'eût du point paraître. Nous n'avons aucune raison de douter des affirmations et de l'entourage de Fénelon à chaud, si j'ose dire, quand le livre a paru. Mais de son assertion en 1710 dans son mémoire au père Letellier, confesseur du roi, Fénelon dit « Je n'ai jamais songé qu'à amuser monsieur le duc de Bourgogne par ses aventures et qu'à l'instruire en l'amusant, sans jamais vouloir donner cet ouvrage au public. Tout le monde sait qu'il ne m'a échappé que par l'infidélité d'un copiste. » La parution subreptice son nom d'auteur dans des presses hollandaises du premier volume des aventures, à la suite du quatrième livre de l'Odyssée d'Homère ou les aventures de Télémaque, fils d'Ulysse, à la fin avril 1999,
cette parution subreptice, elle paraissait pour faire, elle se faisait pour Fénelon en un fort mauvais moment. Alors l'édition de Madame Ayant apporte de nouvelles pièces au procès. Nous ne pouvons croire, nous n'avons aucune raison de croire, nous avons au contraire beaucoup d'indices qui nous pensent à penser, qui nous portent à penser que ou des amis ou des ennemis, les uns mal intentionnés, les autres maladroits, à votre guise de Fénelon, lui dérobant sans son aval un manuscrit, furent les coupables, j'ai envie, du point de vue de Fénelon, oui, les coupables de cette publication. Les dates sont là, bien sûr, à prendre en considération. Le procès des Maximes de Fénelon en Cour de Rome est en train de s'achever. La condamnation des Maximes de Fénelon, qui, n'est-ce pas, je vous le rappelle, déjà est disgraciée par le roi et reléguée dans son diocèse. La condamnation des Maximes à Rome, elle est faite le 12 mars 99. On sait la chose à Paris le 22 mars. La notification officielle à Fénelon de la condamnation romaine lui parvient le 5 avril. Le privilège est demandé pour cette impression anonyme qui de fait fut réalisée en Hollande du premier tome de Fénelon. Le privilège est demandé le 6 avril. Le lendemain même du jour où Fénelon reçoit notification officielle de sa condamnation. Alors, première hypothèse, ses amis, le voyant perdu, car condamné à Rome, et déjà disgracié par sa majesté, ses amis pensèrent servir sa cause et prouver les talents de l'écrivain, à défaut de l'orthodoxie de la pensée mystique, en faisant paraître le Télémaque. C'est une hypothèse, hypothèse plus probable. Les ennemis de Fénelon, ils étaient légions, furent bien aises de s'emparer du manuscrit, et pour davantage le compromettre, et si j'ose dire familièrement, pour lui mettre un roman sur le dos, et souvenez-vous que dans les premiers tomes, c'est là, n'est-ce pas, où paraît cette divinité fatale, qui est Calypso, et où Télémaque subit l'épreuve de la passion, pour lui mettre un roman et d'amour sur le dos, on lui déroba le manuscrit. Fénelon n'intervint point par la suite, même lorsque le livre fut approuvé, salué par quantité de lettrés. Ce livre n'aurait pas dû sortir des mains de son destinataire unique, le duc de Bourgogne. Et à ce titre encore, ce livre est très singulier. Il a été écrit par Fénelon depuis non pas le début même de son préceptorat, sans doute, mais enfin les historiens du texte nous disent que le Télémaque a été commencé en 1694, peut-être à la fin 93. Le duc de Bourgogne, alors, avait 12 ans ou terminait ses 11 ans. Bon, auparavant, pour lui, Fénelon écrivait des fables, des dialogues des morts et d'innombrables textes pédagogiques de toutes sortes. Ce livre fut fait par Fénelon, donc pour son royal élève en train de devenir, comme nous disons aujourd'hui, un adolescent. Ce livre fut fait en partie par le duc de Bourgogne, car l'on y trouve, n'est-ce pas, des séquences très, j'ai envie de dire, quasi pédagogiques, morceaux tout faits proposant une description, dialogue entre deux personnages, ou non pas comme chez Platon, mais comme chez les auteurs scolaires de dialogue des XVIIe et XVIIIe siècles, de façon presque mécanique, la balle est renvoyée d'un interlocuteur à l'autre. Mini-dissertations, digressions au besoin. Avec des ciseaux, l'on a envie de découper ces textes, et ils sont d'ailleurs déjà tout découpés par Fénelon pour figurer dans une anthologie. Ce sont des pièces scolaires où le duc de Bourgogne a dû mettre la main, revues et corrigées par le maître. Ce livre, donc, issu d'une collaboration du maître à l'élève. Fénelon l'a écrit exclusivement pour son élève, en a fait prendre copie précise, y a lui-même travaillé après coup pour conférer solidité à l'ensemble, manifestement pour que son élève, l'ayant quitté, l'âge venant, et puis la disgrâce de Fénelon opérant, pour que son élève, par devers lui, conserva jusque à quand ? Toujours, jusqu'à sa mort au moins, ce livre
où son maître avait comme déposé le meilleur de lui-même, le meilleur de l'enseignement qu'il lui avait prodigué. Je ne vois pas d'exemple de testament, surtout revêtant cette forme, écrite à l'avance par un précepteur à l'usage de son élève de prédilection, à lui confier pour que toute sa vie durant, il le lise. Mais évidemment, le duc de Bourgogne, grandissant et étant appelé à régner un jour, ce qui ne se fit pas, le duc de Bourgogne prenant de l'âge, à chaque fois, était censé devoir lire et relire le livre différemment. Une sorte de livre qu'un adolescent put prendre, dont il put s'enchanter, puis qu'un jeune homme, à sa façon, et renouvelé, puis reprendre, puis qu'un adulte, puis encore consulter. Cela, jusque au bout. Le duc de Bourgogne, nous le savons par la correspondance postérieure de Fénelon et de son ancien élève, reviendra à Télémaque, bon, et l'on sait que le vœu de Fénelon ne se réalisera pas, puisque le petit prince, Pépé, comme dit Fénelon, en abrégé dans sa correspondance, mourant en février 1712, avant même son précepteur. Bon, Fénelon, lui, disparaissant en janvier 1715, 9 mois avant Louis XIV. Alors, ce livre, n'est-ce pas, au plan de sa qualité littéraire propre, en vertu des conditions de sa parution, et, me semble-t-il, du fait de la destination très singulière que lui avait prévue Fénelon, ce livre est-il licite de le lire comme on lirait un traité de politique? Bon, au mieux, ce serait une espèce de manuel un peu protéiforme de politique, mais ce n'est pas que cela. Vous avez, n'est-ce pas, dans Télémaque, 1000 autres sujets abordés par le précepteur qui entendait donner à son royal élève une éducation complète. Dispensez-moi d'en faire le tour. Enfin, ce livre remplace, et censé remplacer auprès du duc de Bourgogne, nos actuels Lagarde et Michard, puisque vous y trouvez de la mythologie, des exercices scolaires de toutes sortes. Tout un livre de Télémaque ne fait que mettre en prose, et avec un art qui émerveillait Jules Lemaître, pourtant peu suspect de sympathie pour le quiétisme, le libéralisme et l'esprit, disons, philosophique. Une tragédie de Sophocle, le Philoctète, se trouve transposée en prose. C'est un exercice scolaire, cela. Vous y trouvez des fables, de la poésie, mais en prose bucolique. Le livre peut se donner comme un court traité de géographie méditerranéenne à l'époque d'Homère, manuel littéraire, vous disais-je. S'y trouvent prodiguées des leçons de bon goût, de morale, d'hygiène, de spiritualité, de religion, j'en passe, et des meilleurs. Bon, donc vous trouvez, n'est-ce pas, dans ce livre, certes de la politique, mais pas seulement elle. Mon sentiment est que, malgré tout le respect que je porte à la mémoire de Roland Mounier, qu'il n'a pas daigné prendre en considération cet aspect, très singulier de ce livre, comme si ce grand historien qu'il était, indiscutablement, avait quelque peine à manier la littérature. Permettez-moi d'évoquer un souvenir personnel concernant Roland Mounier. En 1980, à Angoulême, et il y avait là surtout des littéraires, mais Dieu merci, quelques historiens, dont lui, nous commémorions le tricentenaire de la mort de La Rochefoucauld. C'est là où j'ai eu l'occasion de parler un peu longuement avec lui. Je me souviens encore des encouragements qu'il a pu me donner. Lors des débats, car cette commémoration prenait la forme d'un colloque, lors des débats, c'était au cœur d'un été torride, le Pinot des Charentes avait des effets redoutables sur les congressistes, pas sur Roland Mounier, qui avait l'art de se lever tôt matin. On évoquait son pas de chasseur. Il allait à la messe fort tôt, faisait le tour des promenades d'Angoulême. Le colloque s'ouvrait à 9h, nous étions tous harassés déjà, point lui. La question s'était posée,
du sens de l'honneur qui pouvait inspirer le duc de La Rochefoucauld. Et je me souviens d'une intervention éblouissante de Roland Mounier. Mais dans la conversation, et en effet ce qu'il nous disait éclairait la signification de telle ou telle maxime, dans la conversation privée qui suivait, il m'avait dit déplorer l'émiettement de ce livre. Il eût été tellement plus simple de bâtir un beau discours sur l'honneur. Autrement dit, il n'était pas seulement indifférent au genre même des maximes, mais cela l'agaçait que La Rochefoucauld eût écrit des maximes. Il eût préféré un essai, un discours, un court traité. Et pour nous, La Rochefoucauld, c'est un duc et père, oui, c'est surtout l'auteur des maximes. Je l'avoue. Et là-dessus, nous querellions. Mon sentiment est que pour Télémaque, le même, non pas cécité, mais la même façon de ne pas tenir compte, vous voyez, de la forme littéraire très spécifique du livre, a peut-être amené Roland Mounier à exagérer la sévérité de son jugement dès lors qu'il commentait, je laisse de côté des textes vraiment politiques de Fénelon, mais dès lors qu'il commentait ce qu'il trouvait dans Télémaque. Et, plus précisément, il me semble que, lisant ce texte, en commettant cette erreur de perspective, il n'y a pas discerné, dans ce si sévère article, à l'œuvre, un certain platonisme. Fénelon est platonicien, grand grec devant l'Éternel, si l'on fut. Non pas l'un des rares de son temps, ils sont quand même assez nombreux qui savent le grec et qui aiment Platon, mais probablement le plus brillant des platoniciens de la fin du XVIIe siècle. Roland Mounier met sur le même plan les projets de réforme, chimérique peut-être, proposés par Fénelon à Chevreuse, à Beauvilliers, au duc de Bourgogne, dans les tables de Chaulnes par exemple, ou les griefs formulés contre la politique de Louis XIV dans la célébrissime lettre, mais un peu mystérieuse, de Fénelon à Louis XIV, alors ces textes-là d'un côté, et puis de l'autre, les projets de réforme que l'on voit conçus, puis mis en pratique par Mentor à Salente. Bon, peut-on mettre cela exactement sur le même plan? Je n'en crois rien. Fénelon a écrit dans Télémaque une sorte de variation sur ce qu'il pouvait observer dans les grands dialogues platoniciens. Et là, je pense à l'emploi que Platon fait des mythes. La grande affaire pour Télémaque n'est pas de réformer Salente, ni de gouverner Salente. Sa grande affaire sera de succéder dignement à son père, après qu'il l'aura retrouvé. C'est la dernière page de Télémaque. Réformer, gouverner Ithaque, et un bon gouvernement est toujours une réforme permanente, assure Fénelon. Comment réformer Ithaque, gouverner Ithaque ? En se souvenant, en conservant la réminiscence de ce qui fut entrepris et réussi par Mentor à Salente. Mais Mentor, c'est la sagesse de Dieu, c'est Minerve faite homme, est-ce tout à fait réalisable? Mentor à Salente a tenté et réussi de convertir la Jérusalem terrestre en Jérusalem céleste. Chose impossible, mais dans un mythe, tout est possible. Et du reste, n'est-ce pas au cœur de Télémaque, en mer, Télémaque et Mentor se sont laissés éblouir par le récit, alors plus fabuleux encore, de ce qui advient au plan politique, en Bétique, cette terre qui est peut-être l'Andalousie, mais dont les frontières sont indécises, qu'on situe mal, cette terre hors du temps et comme hors de l'espace. Bref, n'est-ce pas, la Bétique, c'est la terre de l'âge d'or. Et l'on est là, en plein dans le terrain qui est celui du mythe platonicien. Dans la société des hommes, ici-bas, il faut toucher à la vérité. On y touche par réminiscence. On se souvient, parce qu'on porte en soi quelques traces d'une vérité intérieure et antérieure tout à la fois, on se souvient de ce que peut être, de ce que devrait être, de ce que sera certainement dans un autre monde, du côté des idées, la cité des hommes, parfaitement régie par la pleine justice. Mais vous avez là, n'est-ce pas, une démarche d'aucuns disent nostalgique,
pour faire de Fénelon un rêveur, le nostalgique d'un âge perdu de l'aristocratie. Ce n'est pas impossible. J'ai bien plutôt le sentiment que, en bon platonicien, il situe, n'est-ce pas, la vérité et l'idéal en deçà de notre expérience, à l'origine. Donc c'est par un mouvement de réminiscence, en effet, que Télémaque, à Ithaque, quand il aura succédé à Ulysse, il se remémorera Salente, et en deçà la Bétique, et en deçà même l'âge d'or, où, puisqu'il y a eu, il a eu, par grâce de Dieu, le privilège d'y avoir accès, il se souviendra de la Jérusalem céleste, puisque Télémaque descendit aux enfers. Il y a parcouru l'enfer, mais aussi les Champs-Élysées. Si, n'est-ce pas, vous êtes inspiré par un tel platonisme, bon, il n'est pas étonnant que d'avoir organisé dans Télémaque toute une série de sociétés utopiques, en un sens. Mais comment serait-elle autre, puisque Fénelon les présente, si je puis dire, dans des mythes, me fait à Salente, bien sûr que non, mais dans une société mythique, tout est possible. Bon. En effet, Fénelon tenait, n'est-ce pas, que toute société était hiérarchisée, et que les ascensions sociales, y devaient être lentes, récompenser le mérite, et surtout réglées par le monarque. Alors, à Salente, cela nouveau, s'est tenu chamarré, chacun, n'est-ce pas, selon son appartenance à tel ou tel ordre, a-t-on envie de dire, de la société, portera l'un une livrée verte, l'autre une livrée safran, le troisième une livrée écarlate. Spectacle bariolé. Chimère, disent les réalistes. Oui, je me permets d'en douter. Quant à l'esprit de cette pensée politique de Fénelon, je voudrais m'arrêter au personnage du prince. Qu'il peint de multiples façons dans Télémaque. Les historiens, pas seulement eux, n'ont pas été tendres avec la représentation que Fénelon se faisait du monarque idéal. Je passe quelques citations désobligeantes, ça ne vous étonnera pas de sa part, de François Bluche, sur le signe de Cambrai. On sait que les signes ne sont point des animaux doux. Le futur signe de Cambrai, lui, trempe sa plume dans le vitriol. À propos de la fameuse lettre à Louis XIV. Mais il y a une citation de Pierre Gaxotte dans sa France de Louis XIV de 1946. Voilà son jugement sur la pédagogie fénelonienne et ce que Fénelon eût fait, si la mort ne l'avait pas déjoué, eût fait du futur roi de France. Gaxotte affirme que Fénelon avait élevé le duc de Bourgogne en dévot, le coupant des tentations, instaurant autour de lui une sorte de réseau. De sa demi-claustration, il resta au futur dauphin quelque chose de sombre et de mélancolique, dit Gaxotte. Un goût invincible pour la retraite et pour le silence qui ne convient pas à un prince. Ah, c'est Gaxotte qui parle. Son éducation religieuse le fit dévot, d'une dévotion minutieuse et inquiète qui paralysa sa volonté, sans le guérir des enfances et des divertissements de séminaristes. Nos trois princes, alors il s'agit de Bourgogne, d'Anjou et de Berry, nos trois princes sont bien mal élevés, disait Madame, la Palatine, disait Madame, on ne leur a pas appris à vivre. Entre parenthèses, n'est-ce pas, Madame, la Palatine, a très bien appris à son propre fils à vivre. Je trouve que le régent sait parfaitement vivre. C'est un prince très chrétien, je l'admire. Je ferme ma parenthèse. Le grand coupable, poursuit Gaxotte, fut Fénelon. Louis XIV l'avait chargé de faire un roi. Au lieu d'inspirer à son élève le goût de son métier, il s'appliqua à lui en donner la crainte et presque le dégoût. À 100 reprises, il lui répète dans Télémaque que la royauté est un fardeau, une servitude. Il lui en présente les fatigues, les inquiétudes, les dangers. Jamais il ne lui en dit la grandeur et la beauté. Jugement sévère. Et l'on en vient, n'est-ce pas, à se féliciter que le duc de Bourgogne n'ait jamais régné, la mort l'ayant privé à l'affection de ses sujets. Quel est le prince, d'après Télémaque, toujours, le prince, la silhouette du prince, ou le portrait du prince que propose là Fénelon? Rassurez-vous,
Je ne vais pas me lancer dans l'énumération des qualités que le prince idéal doit avoir, car cette liste serait infinie. Dans tous les ordres, pour prendre le terme pascalien, le prince doit collectionner les qualités. Il doit les avoir toutes. Qualité de corps, qualité d'esprit, qualité de cœur, et nous aboutirions, n'est-ce pas, à une kyrielle d'adjectifs. Bon, aussi bien, il s'agit de présenter au duc de Bourgogne un idéal. Et Fénelon n'est pas économe de prescriptions, de souhaits. Ce qui nous vaut l'érection d'une sorte de statue, bon, impressionnante sans doute. Dans le livre, elle s'incarne en quelques personnages. Ulysse, le sage Sésostris, roi d'Égypte, Idoménée, après qu'il a bien voulu se laisser conseiller et réformer par Mentor. Télémaque aussi, lorsque la grâce l'inspire et qu'il écoute son précepteur. Et puis il y a des repoussoirs. Bocchoris, fils de Sésostris, l'épouvantable roi qui a laissé son pouvoir, certes légitime, dégénérer en pouvoir tyrannique. Mais Fénelon est absolument hostile au tyrannicide. Donc, ces sujets n'ont point le droit de l'assassiner. Pygmalion, le souverain de Tyr. Idoménée, lorsque il a tenté de gouverner seul, est fort mal. Et Télémaque, quand il commet des péchés. Cette statue, elle serait longue à ériger. Il faudrait, n'est-ce pas, que je passe, excusez-moi, à la moulinette, tout Télémaque, et que j'ordonne les qualités. Plus intéressant, me semble être, de discerner ce que peut avoir de fénelonien cette statue érigée là, dans Télémaque. Quels sont les traits que Fénelon a traité avec prédilection, où l'on sent, pour avoir lu ses œuvres, et notamment sa correspondance, où l'on sent qu'il s'engage avec quelque complaisance. J'ai ordonné là mes remarques. La première, je trouve que Fénelon insiste beaucoup sur la solitude du prince. Du reste, le livre tout entier est marqué M. Pommeau, grand spécialiste de Voltaire, et voltairien à beaucoup d'égards, trouvait qu'il y avait dans Télémaque une pointe de fine tristesse. Cela est vrai. Le livre est marqué par une sorte de tristesse. Télémaque court après son père. Il ne coûtait à rien à Fénelon de donner une page happy end, où le père et le fils tombent dans les bras l'un de l'autre. C'est remis. À plus tard. Nous n'allirons pas cette page. Pire, Télémaque frôle son père à l'intuition qu'il doit s'agir de lui. Son père feint de ne pas le reconnaître. Ils se séparent. Le père prend la mère. Quelques instants après, Mentor l'instruit. Amère souffrance de Télémaque. Retrouvailles manquées. Et puis que d'endroits où Télémaque souffre d'être abandonné de Mentor. Soit que Mentor soit captif ailleurs en Égypte, soit que les retrouvailles escomptées ne se fassent point. Alors vous avez, en la personne de Télémaque, un jeune homme solitaire, éprouvé par la solitude, réduit, dirais-je, à la solitude à longueur de romans, et Mentor, à la fin, l'en instruit. Les dieux aiment ainsi à éprouver le prince ou le futur prince, dans la douleur de la solitude. Il mesurera ses responsabilités, tentera de se connaître, saura se reprendre, et, souffrant, mesurera que, quoique roi, il est homme comme les autres. Alors cette solitude, je pensais à une statue, n'imaginons pas la solitude splendide d'une statue équestre, la statue du Bernin, dont il y a une si triste copie aujourd'hui près de la pyramide que vous savez, ou la statue de la place de Coysbock sur la place Notre-Dame des Victoires. Le roi soleil jouissant seul de sa gloire, Louis XIV, roi de gloire, pour évoquer le titre du regretté Jean-Pierre Labattu. Cette solitude est plutôt douloureuse. Autour du roi, Fénelon est là-dessus intarissable. Il parle d'expérience, probablement, mais aussi parce que les livres, l'histoire, l'écriture sainte, lui prouvent que c'est la chose humaine, trop humaine. Les rois, les puissants de ce monde, sont entourés de flatteurs, de parasites, de traîtres,
de favoris indignes de leur faveur. Les autres rois leur tendent des embûches. Leurs épouses ne sont guère à la hauteur. Les maîtresses des rois. Fénelon, familier des Bourbons, était bien placé pour en parler. Et il se devait, n'est-ce pas, de prévenir le duc de Bourgogne sur ce sujet précis. Maîtresse artificieuse comme Astarbé auprès de Pygmalion, faux amis, mauvais conseillers, ministres indignes, tant et si bien que le roi, seul avec sa responsabilité de droit, Fénelon est absolutiste, le roi doit non seulement, n'est-ce pas, se savoir seul, car il l'est, mais prévoir à tout moment qu'il le sera davantage encore. Car les trahisons, inévitablement, viendront. Autre aspect de cette solitude douloureuse du prince. Le prince est l'homme de décision prise sous sa seule responsabilité et dans le secret du cabinet. Fénelon insiste beaucoup, en politique intérieure, extérieure, également à propos des affaires religieuses, sur la nécessité du secret. Le dessein politique doit être conçu en secret. Le pouvoir s'exerce évidemment seul, la responsabilité du prince, il est le seul à emporter le joug. Ce qui fait sur les malheureuses épaules du futur prince tout un fait de responsabilité, l'âme du prince est comme trop pleine d'elle-même. Il y a, n'est-ce pas, ce que le prince fait, doit faire, ce qu'il feint de faire pour déjouer les flatteurs. Toutes ces responsabilités de tout ordre qui en lui travaillent, tant et si bien que son âme est comme, je dirais, trop pleine d'elle pour avoir le loisir de sortir d'elle. Le prince ne saurait se confier, ne trouve guère d'amis. La confiance, non, il ne lui faut pas compter, la trouver ici-bas. Second trait de ce personnage idéal du prince, d'après Fénelon, qui est proche du précédent. Le prince, selon Fénelon, est profond, mais d'une profondeur insondable, en partie parce qu'il est muni de cette vie morale si intense, si riche, si laborieuse, proche, évidemment, du scrupule. Je n'en disconviens pas. Bon, mais si homme muni d'une vie intérieure il y a dans Télémaque, c'est, sans discussion possible, le prince. Alors, il y a, oui, la nécessité où le prince se trouve de peser le pour et le contre, de prévoir, de devancer l'exécution, ses motifs, ses mobiles, il faut qu'il s'occupe du détail, du long terme, j'en passe et des meilleurs. Mais le prince est sommé par Fénelon d'être dépositaire d'une culture effrayante, encyclopédique. D'où, n'est-ce pas, cette pédagogie très attentive que Fénelon a déployée auprès du duc de Bourgogne. D'aucuns s'en plaignent et déplorent que le duc de Bourgogne ait été comme abruti de leçons par son précepteur. Bossuet, avec une autre méthode, pratiquait la même chose avec le grand dauphin. Passons là-dessus. Bon, mais le prince se doit de tout savoir, donc d'avoir tout appris. Il ne suffit pas d'apprendre, comme vous le savez. Il faut se souvenir aussi. Bon, voyez également, parce que Fénelon veut former un prince chrétien, ce que peut être la complexité et la profondeur de l'âme du prince, dès lors, n'est-ce pas, que pratiquant la politique, en décidant, l'organisant et en portant la responsabilité, le prince doit constamment avoir l'arrière-pensée de subordonner la politique au religieux. Le prince ne gouverne que pour le salut de ses sujets, le sien propre, celui de ses sujets. Il s'agit certes, n'est-ce pas, de donner prospérité, de secourir les assistés, de donner prospérité à son peuple, mais de faire le salut de son peuple. Tant et si bien, et là je reprends l'expression pascalienne, encore que Fénelon ne fût en rien jansénisant, il faut que le prince ait constamment une pensée de derrière la tête. J'agis au politique, mais à l'origine comme au terme, se trouve bel et bien le religieux. Ce n'est pas simple de tout faire avec constamment à part soi une arrière-pensée. Bon. Troisième trait du prince, son sérieux. Cela a été beaucoup reproché à Fénelon, parce que le sérieux du prince, chez lui, confine quelque peu à la tristesse. Alors, ce qui est bien connu, le prince
ne vivra pas dans le faste qui était celui des Bourbons, au moins depuis le début du règne personnel de Louis XIV. Point de luxe, point de faste, peu de fêtes, simplicité, dépouillement, tout cela affectant l'extérieur. Au plan intérieur, Fénelon exige du roi qu'il soit un saint et qu'il pratique peut-être mieux que n'importe lequel de ses sujets, parce que lui, roi et roi de par la volonté de Dieu, est probablement plus proche de Dieu que le reste de l'humanité. Par conséquent, il se doit, ce roi, d'être plus humble encore que ne le doit être n'importe quel chrétien. Alors, cette humilité tout intérieure, bon, où l'on peut trouver du quiétisme, parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, pour le prince, de pratiquer en soi une sorte de désappropriation, le conduit, non pas certes à l'humilité ou à l'humiliation extérieure, mais l'on dit bien que le paraître importe dans le pouvoir, et puis que les rois se doivent de pratiquer une certaine magnificence. Mais au plan intérieur, il faut éteindre les passions en soi, toutes, éteindre ses ambitions, se garder du rêve. Fénelon passe pour chimérique, je le trouve bien sévère, aller à l'encontre des chimères. Se garder des caprices, bien sûr. Ce qui nous vaut, si on essayait de se représenter sous forme figurée le paysage intérieur du prince fénelonien, c'est une sorte de paysage décoloré, rien à voir avec le bariolage baroque, ni avec les dorures Louis XIV, certes. Paysage décoloré, alors par la lumière de Dieu, certes, donc un paysage blanc, mais comme vous le savez, le blanc n'est pas une couleur. Et ce serait cela, le paysage du prince très saint, selon Fénelon. D'où, au total, en effet, une sorte de tristesse du personnage. Fénelon a montré que... Oui, monsieur le Président, je vais achever. Fénelon a montré, dans le livre... écrit pourtant pour un adolescent, il a très bien montré que cet adolescent vieillissait, était appelé à vieillir de plus en plus. Fénelon, et ceci le met aux antipodes de notre sensibilité d'aujourd'hui, Fénelon a voulu, comme désenchanter le duc de Bourgogne, et comme mentor, a désenchanté Télémaque, comme à l'avance. Alors le roi, il est roi parce qu'il l'est de naissance, il l'est parce que Dieu veut qu'il le soit, il est roi avec la plus extrême conscience à laquelle il puisse parvenir, mais enfin, ce prince, Fénelon veut qu'il sache que cette royauté d'ici-bas n'est qu'une apparence, que la politique n'est jamais qu'un moyen et nullement une fin. Fénelon a reproché dans ses dialogues des morts à Richelieu trop de concessions à l'encontre du machiavélisme. Alors, au total, le duc de Bourgogne est convié à s'adonner à la politique, tout en sachant que la politique n'est pas à elle-même, n'est pas en elle-même profondément intéressante. Ce qui est véritablement intéressant est ailleurs, dans l'autre monde. Je conçois, n'est-ce pas, qu'un prince ainsi formé ait pu, de la sorte, manquer d'enthousiasme. Mais le correctif, on le trouve dans le Télémaque. Certes, c'est un dur métier que d'être roi, qui vaut peut-être à son responsable quelque tristesse. Ne parlons pas d'amertume, ce serait trop dire. Mais que d'endroits dans Télémaque où, dans ce dur métier de roi, Dieu, par sa grâce, vient secourir le prince. Que d'endroits où Télémaque est comme bouleversé, illuminé, travaillé. Ce livre, qui n'est janséniste en rien, prouve que la grâce ne manque point aux hommes, même aux rois, et dirais-je, surtout aux rois. Et il faudrait ici, n'est-ce pas, se référer au texte. Alors, je n'ai pas le sentiment que cette politique fénelonienne soit si chimérique que cela, comme ou romanesque ou romantique, comme le prétendait naguère Roland Mounier, alors sauf à penser que c'est du romantisme, de la chimère, du roman, que de songer à former un prince chrétien, très chrétien, mais après tout, Fénelon était prêtre. Et bon prêtre. J'en ai terminé, monsieur le Président.
J'ai manqué d'un peu d'urbanité à votre égard, mais c'est, je dirais, l'intérêt porté à votre communication de façon à laisser du temps aux interventions qui vont certainement être nombreuses. Je vous dirais d'entrée de jeu que vous nous rendez un grand service parce que vous nous montrez par votre critique d'un texte célèbre de Roland Mounier que nous ne sommes pas des sectateurs turiféraires impénitents du maître et que nous sachons regarder les textes avec un œil critique. Et c'est une première, je crois, chose importante à souligner. La deuxième, alors, naturellement, j'ai comme idéal du prince plus le roi sergent, naturellement, que le Télémaque de Fénelon, ce qui ne m'amène pas à des mêmes systèmes de valeurs. Mais je me demande pourquoi diable Louis XIV a-t-il confié le duc de Bourgogne à Fénelon. Ça, c'est quand même un problème que je n'arrive pas à résoudre. Et j'ai l'impression, en vous écoutant, que Roland Mounier a quand même été très faible dans ses critiques. Car est-ce qu'on n'a pas l'impression d'une dépravation idéologique du prince? C'est ça qui est important. Car il a formé, quand même, dans le Télémaque, je dirais que c'est encore plus important s'il n'est pas fait pour l'édition publique. Et vous nous avez bien montré qu'il devait être une espèce de bréviaire sans cesse médité par le prince grandissant, n'est-ce pas? Bon, ça, c'est encore, je dirais, l'idéologie la plus marquée sous forme de homéopathique, mais continuelle. Et ici, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve, vous le montrez à chaque pas, n'est-ce pas, que ferait le duc de Bourgogne, imaginons en faisant de l'histoire fiction, en face, non du roi sergent, ne parlons pas naturellement, mais de Frédéric II, son successeur dans le temps. Il n'en aurait fait qu'une bouchée. Nous sommes en face ici, d'autre part, d'un procédé qui est l'utopie. Or, je me tourne vers les clercs qui sont ici, n'est-ce pas? Est-ce que l'utopie est conciliable facilement avec le christianisme? Il y a dans l'utopie, je ne sais quelque chose de gnostique, et en tout cas, même si Thomas More a été porté sur les autels, Campanella ne l'a pas été, n'est-ce pas? Et quantité d'autres. Et le genre utopique me semble aller contre le réalisme chrétien. C'est la première chose qui m'apparaît, mais je ne suis pas spécialiste du tout de la question, n'est-ce pas? D'autre part, vous avez très bien montré qu'il y avait un platonisme sous-jacent à tout cela. Or, le platonisme s'est exprimé par l'intermédiaire pendant 1000 ans du pseudo-Denis. Or, le pseudo-Denis vient d'être abandonné précisément par Bossuet, disons 20 ans avant à peu près, par tout le monde, quand les dénicheurs de saints ont fait tomber l'adéquation parfaite des trois Denis, n'est-ce pas, qui était supposée exister jusqu'à ce moment-là. Donc il faut replacer ça, je crois, dans cette optique. Et puis, il y a naturellement quelque chose qui apparaît sympathique, alors à contrario, à mon avis, dans Fénelon, c'est que c'est la suite, au fond, c'est une très vieille idée, c'est la suite de la philosophie politique des bons catholiques, que Cuche montre bien. Par exemple, l'idée de la paix, l'idée du soulagement du peuple. Tout ça, c'est du Bérulle, c'est du Marillac, via la compagnie du Saint-Sacrement, enfin, on se retrouve tout à fait à ce niveau-là. Seulement, quand je disais dépravation du prince, ça va peut-être beaucoup trop loin, mais il est bien évident que ce genre de prince très cultivé, chose qui manque beaucoup aux gouvernants peut-être du XXe siècle, c'est une très bonne chose, naturellement, d'avoir un prince cultivé. Est-ce qu'il a développé, vous vous souvenez sans doute de Saint-François de Sales, lorsqu'il dit qu'il y a pour le corps humain une forme substantielle qui est l'âme en scolastique. Bon. Et il y a une forme substantielle qui doit animer l'individu également, c'est la volonté. La volonté, c'est dans le traité de l'amour de Dieu, la volonté doit être la forme substantielle de toutes les qualités du chrétien. Or là, est-ce qu'il a éduqué la volonté du prince? C'est ça, il lui a donné une culture. Il lui a donné une culture sous une forme utopique, qui peut prêter, à mon avis, précisément à cette castration un peu du souverain. Voilà, si vous voulez, quelques réflexions de façon à en lancer d'autres. Et puis alors, vous pourriez nous renseigner peut-être sur une chose, la fameuse lettre à Louis XIV, elle est authentique ou pas? Absolument authentique. Moi, je pensais... Le manuscrit de Saint-Sulpice est de la main même de Fénelon. Oui. Bien, vous m'enseignez, mais ma question était celle d'un Candide, n'est-ce pas? Absolument authentique. En l'occurrence.
Bien. Qui veut intervenir? Jean-Pierre Brancourt. Ou les ennemis. Il peut... Possible aussi. Possible aussi. C'est dans l'article. C'est dans l'article, oui. Et puis alors, autre point encore, voyez-vous, c'est la question, finalement, de la leçon de Fénelon. Vous dites que le duc de Bourgogne n'est pas monté sur le trône. Bon, c'est vrai, mais évidemment, il est mort trop tôt. Seulement, il y a quelqu'un qui est monté sur le trône en ayant Fénelon dans sa poche. C'est Louis XVI. Je n'ai pas souvenir d'un emploi d'antélémaque de despotisme. Et il m'a paru que la pensée de Fénelon était une pensée chrétienne, disons classique. Il est monarchiste, partisan d'une monarchie absolue. Le pouvoir du roi est sans limite, hormis sa responsabilité devant Dieu. Il est absolument hostile au tyrannicide.
Simplement, il prévoit le cas où un pouvoir légitime à l'origine, du fait d'une pratique pécheresse du dit pouvoir, devient pernicieux et dégénère en pouvoir tyrannique. Mais le sujet se contente de prier pour la conversion du monarque. En revanche, au XVIIIe siècle, les tenants du despotisme éclairé ont récupéré, si j'ose dire, Fénelon. Il a été récupéré, il a figuré dans le calendrier révolutionnaire